chérie. Je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle. Je vais bientôt rentrer à la maison. Oui. Oh. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. Tu me manques. Oh, faut que je retourne travailler. Je t'aime, Ethan. Tu me manques tellement. Je t'embrasse très, très fort. À très vite. Ethan, tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci, reste à l'écart. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo test. Et déjà bonne année à tous pour commencer. On se retrouve pour le test de Resident Evil 7 sur PlayStation 4, édité et développé par Capcom, sorti officiel le 24 janvier 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Bon, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, petit message alors de la femme du protagoniste, Ethan Winters, qui vient chercher sa femme, qui apparemment travaille en tant que babysitter, qui avait été envoyée à cette vieille ferme qui appartient à la famille Baker. D'après les recherches que j'ai pu faire, je sais très peu de choses via ce jeu et je pense qu'on va le découvrir ensemble. Inutile de le faire, je le savais, c'était bloqué. Mais bon, on voit déjà l'ambiance qui règne assez morbide, assez malsaine. Mais bon, on va voir donc du coup de quoi il en retourne. Déjà, voilà, sachez que les événements se passent 4 ans après Resident Evil 6, c'est en 2017. Et là, il y a apparemment un pick-up pour tourner des films. Donc après voilà, il y a toujours cette petite gestion des nouveaux clues qu'on peut trouver dans le jeu en fait. Et ensuite on peut du coup compléter l'inventaire. Accepte ce cadeau. Oh, accepte ce don. Bon, ça va, j'étais pas loin. Oui, remarque, oui, gift. Ça dépend de l'endroit où ça se situe dans la phrase, mais bon, ça veut dire la même chose. Du coup voilà, bon, point négatif déjà par rapport au puriste, c'est un FPS et pour moi j'ai l'impression avec ce que j'ai pu voir que ce n'est pas un Resident Evil. On dirait que ça reprend plus la démo Pity. Oh. Monsieur Baker, c'est vous? Bon, bien entendu, il aura disparu forcément. Ouais, on dirait plus qu'on reprend le Pity Silent Hills en fait plutôt que du Resident Evil. Et encore même, Silent Hills à la base... Ça reste du TPS comme Resident Evil. Là, le fait de l'avoir mis en FPS, je pense qu'en VR, on doit quand même se chier dessus, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça donne pas envie d'y aller, je vais aller là-bas. Oh bon, c'est un cul-de-sac, de toute façon. Même pas peur. Même pas peur, même pas peur. Non, mais c'est un système d'autodéfense, en fait. Je suis en train de parler pour éviter... pour ne pas vous faire croire que je suis en train de me chier dessus. Non, je déconne. Je recherche, à vrai dire, le jeu depuis les premiers Silent Hill qui me fera vraiment me faire flipper ma race. Mais celui-là, reprenant peut-être les codes de Silent Hill, Silent Hill avait déjà un petit peu m'avait fait éprouver ce genre de sensation, donc c'est plutôt bien parti. Le feu est encore chaud. Et il y a un sac à main. On parie que c'est le sac de sa femme. Il y a un permis de conduire dedans. Eh ben oui, c'est Mia. C'est génial. Donc, l'inventaire avec triangle, parfait, le jeu me le dit. Y a-t-il quelque chose derrière? Non. Mais bon, voilà, on est parti, vous et moi, pour faire un petit bout de chemin ensemble. Oui, je dis bien petit bout, car je sais que bon nombre d'entre vous ne pourront pas faire un plus long chemin que ça, suite au fait qu'ils seront ralentis par une démarche en canard. Avec suite à leur caleçon qui sera bien rempli au terme de cette vidéo. Et le pantalon le plus rempli pour les plus malchanceux d'entre vous. Sur cette note très poétique, continuons. Bon, ok.
Ouais, on retrouve vraiment le couloir de Pity, quoi. Bon, après, voilà, c'est un FPS, donc c'est pas un Resident Evil pour moi, quoi. Voilà, ça c'est le seul point négatif que j'ai vraiment à lui donner. Il s'appelle Resident Evil, quoi. Sinon, après, le graphisme et l'ambiance est bel et bien présent. Et ceux qui ont fait le jeu en VR ont dû se faire certaines frayeurs. Bon, alors, faisons nos petits inspecteurs, détectives en chef. Bon, il y a une petite fille en bas à droite. Là, c'est fermé. Oui, bah oui. Le mec, même la cuisson au micro-ondes, il a pas su la maîtriser, quoi. Donc, on est dans la plantation où se situe la ferme de la famille Baker. Et apparemment, c'est une famille de kidnappeurs, 20 personnes qui ont été, qui ont disparu. Désolé, du coup, je vais pas trop pouvoir commenter le jeu, enfin, vu que je vais le découvrir en même temps. On va voir ce qui se passe en haut. Forcément, là, on prend le chemin le plus glauque, hein. On est sûr que c'est là qu'il y a la suite. Ah, le petit bouton pour l'escalier. Ça ne fonctionne pas, mais bien entendu. Ah, ça, ce sont les cassettes pour sauvegarder ça. Ça, c'est les points de sauvegarde. Maison abandonnée, une cassette. Bon, on sauvegardera plus tard. Oui, parce qu'il y a des points de sauvegarde maintenant. Vous pouvez pas sauvegarder avec un pause sauvegarde ou un autosave. Non, il n'y en a pas dans ce jeu. Donc, c'est assez sympa au moins, ça vous permet. Enfin, le jeu va vous pousser à aller de l'avant pour pouvoir sauvegarder. Cette porte me dit rien qui vaille. Ok, tant mieux, elle est fermée. Et toi non plus, tu me dis rien. Bon, ça marche une fois, pas deux. Je vous l'ai dit, mécanisme d'autodéfense. Il manque un fusible. Non, non, t'as pas peur. Vas-y, joue du piano. Première, exclusivité mondiale. Se faire prendre un vent par un piano. Derrida House, June 1, Delvey Haunted House. Oui, donc du coup, nous sommes en Louisiane, dans la ville fictive de Delvey. Non, tu m'as pas fait peur, j'étais en train de Vous êtes où, parler. Esti? Ça aurait peut-être Pas chaud marché à après toi? un grand Hey, silence, mais non. je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake Quelque d'Amario. chose me dit Hey, c'était que il y a 2 ans. Je veux le pas parler de fourgon blague. avec le trépied de caméra à côté. Nouveau, là? Ben, ça leur appartenait à ces trois Bon, types, dont c'est j'incarne ça. le Ça va être caméraman, fini comme si vous on pouvez devait le le trouver. voir. Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur, et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission cette Ouais, bon, fois. enfin, on est reparti en gros pour faire Feuilleté. exactement le chemin que je viens de faire. Ce soir, dans Sewer 14, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va? Bon. Après, un autre point positif quand même qui appartient au jeu, c'est que Resident Evil 7 s'appelle Resident Evil 7 Biohazard, donc le véritable nom des Resident Evil comme on a connu dans les premières versions US. C'est-à-dire que là, on va retrouver des mécanismes du premier Resident Faites Evil ton et tour. non ceux du 4, 5 et 6 où est-ce que Allez, on l'on y pouvait va. se défendre. Le jeu va pousser à la fuite car le protagoniste a très peu de moyens pour se défendre en fait. Très peu de possibilités d'attaque, mis à part en fait se protéger en mettant les mains devant, vous voyez. Ouh là là, c'est aussi efficace que l'attaque trempette de Magikarp. Mais donc du coup, voilà, Alors, c'est pas un jeu c'est quoi d'action, on l'histoire revient aujourd'hui? bien apparemment aux bases du Ça t'embête? Survival Horror comme Resident Evil 1 en Avec quoi? fait. Une baraque pourrie Donc pillée ça, dedans? Oh, puriste t'es averti, gentil. ça pourrait plaire. Mais après, il y a toujours ce côté FPS. Certes, ça met dans l'ambiance. Certes, ça va peut-être plaire aux nouveaux joueurs qui cherchent des jeux vidéo J'étais pas dans d'horreur. ta paire, Mais moi. sachez En pour les plus, on plus me jeunes fait d'entre vous que signe. Resident Seulement, Evil on n'est va se absolument faire pas des ça. amis. C'est un TPS avant tout. Et là-dessus, je serai impartial. C'est quoi l'histoire, André? Pour En moi, clair, ça ne on peut va pas pas être un causer Resident avec Evil. des C'est amis. un Ça nouveau arrive. style de jeu d'horreur, un FPS, car on Ciao. pourrait même pas dire que c'est un Silent Hill, parce que même Pity, certes, c'était un Tu veux FPS, te mais ça me retrouver faisait dedans, quand tu même veux, chier pendant que 12 ans? Silent Hill soit comme ça, quoi. 3 ans. Et puis en plus, putain, Hey, avoir arrêté le Cassie, filme un développement peu avec ça. Norman Reedus On va dedans, faire un bon plan et au pour scénar Guillermo del Toro nous. Ok. et Hideo Kojima, Une putain, amie quoi. de Pecno. Le trio gagnant, quoi. Ouais, pas des Pecno, les Baker. Jack et Marguerite Baker. Bon, enfin, on verra ce Une que Death famille normale, Stranding est plutôt. en train de nous préparer. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a ma tournée On va apparemment. relire le journal, les 20 personnes disparues.
Merde. Des fantômes aperçus dans le bayou. Ah non. Ouais, non. Bon, c'est pas pareil. Alors, il y aura pareil, voilà. Oh, ce frigo aura été ouvert deux fois. Ce micro-ondes aussi. Ah non, il était beaucoup plus propre là. C'était bien avant s'il faut. Est-ce qu'on pourrait s'y repérer avec le quatrième mur qui est brisé? Ah non, mais je sais pas où il est passé, André. Il est où? Parce qu'il a dit, je voudrais pas un reportage aussi foireux comme Amarillo. Est-ce que c'est un film qui est sorti avant? Je sais pas, le jeu se passe en 2017. Est-ce que c'est une référence à un film qui serait sorti avant? Il dit que c'était il y a deux ans, donc c'était en 2015. Reste près de moi. Moi, je sais pas. Wow, wow, wow. C'était quoi ce truc? Ben oui, j'ai entendu. André? Il est où, putain? André, t'es passé où? Alors, ayant vu certaines vidéos tests sur la démo, je sais que, voilà, sous la cheminée, il y a un mécanisme qui permet d'ouvrir quelque chose, je sais plus du tout où. C'est pas possible, bon, bah voilà. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire, tant pis pour l'émission. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, on se barre après. Enfin, quelque chose me dit que si ton fourgon est là... alors que je viens de le croiser, moi, dans... en temps réel. Pff, quelque chose me dit que t'es pas encore sorti de la ferme. Passe devant. Je veux un plan de... Oh, espèce de gros peureux. Alors, sachez aussi que l'édition Steelbook est à 75€ et l'édition normale, si vous voulez le boîtier plastique, sera à 69,99€. Ça, c'est une petite info supplémentaire pour ceux qui aiment bien les Steelbook. Eh ben, il est là, André. Ah oui, il était en train de sucer un tuyau. My god. Ah. Monsieur Baker, c'est vous? C'était lui. Bon, eh bien, mes petits amis, on sait où est-ce qu'il faut aller maintenant. Oh mon Dieu. Une porte, un grillage. Oui, c'est eux. Ah, ils ont deux gosses. En tout cas, le jeu de son est vachement bien quand même. Hein. C'est assez immersif, c'est vraiment sympa. Mais après, le jeu est vraiment malsain. Rattrape-toi. Aïe, aïe. Je vais voir du cadavre à côté de moi. Ah non, des sacs poubelles. Attends, il y a André à côté de moi, c'est ça? Non? Ok. Ouais, voilà, il était là-dedans. Bon, et ben, allons voir. Bien sûr, des phases sous l'eau. Ah non, ça va. On est sur l'eau. Enfin, on flotte, quoi, vous m'avez compris. Faut passer en dessous? Non. Ah bah, par là, alors. Des bubules. Wow. Ah ben, on a trouvé André. Ah, il doit y être depuis un sacré moment parce qu'il est gonflé à l'eau. Hein. C'est
est en mode poulet gonflé à l'eau de KFC, quoi. Dédicace à ceux qui aiment le poulet. Ça ne veut rien dire, je sais. Je vous l'ai dit, je parle parce que j'ai pas envie de... Voilà. Hein? Ok? Voilà. Eh ben c'est la porte avec la photo. Oh putain, y a ma gonzesse là-dedans? Moi j'y crois moyen quand même. Hein. Ah ben voilà la liste des personnes décédées. Les personnes disparues. Et ben voilà un coup de boulon. Voilà, allez hop. Tac. Chérie, j'arrive. Allez, là elle a disparu, elle est plus sur le lit. Ah si, oh putain. Bon, c'est un cadavre alors. Non putain, c'est bien elle. Mia, Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Ethan? Est-ce que ça va? Tu ne devrais pas être là. Comment ça? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Neil? Qui d'autre est ici? Et qu'est-ce qui se passe? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa? Il faut partir maintenant! Bon, elle a un péto casque. Enfin, est-ce qu'elle fait référence à la vidéo, genre qu'elle a bientôt fini avec son truc de babysitting? Non, 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 et non. Elle a dû forcément lui écrire pour qu'il vienne. Tu m'emmènes. Quelque part en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Et puis au final, elle a repris ses esprits, elle lui a laissé un message en facecam, là. 3 ans. 3 ans? Ça fait déjà 3 ans. Elle est pas en train de parler du père de famille, quand même, hein, qu'elle a dit papa. Ouais, en fait. Ouais. 3 ans qu'elle disparaît, pour elle, ça passe vite. Moi, je commençais à en avoir marre d'être abonné au magazine Playboy, quoi. On doit d'abord sortir d'ici. Je crois que c'est par là. Non mais attends. Mais j'y pense, mais ça fait 3 ans, mais... Tu portes les mêmes fringues qu'il y a 3 ans. Oh mais je suis sûr que t'enlèves ton pantalon, il tient tout seul. Ah, j'essaie d'éteindre l'atmosphère qui est si oppressante et pesante. Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Et tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. D'accord. Mia, tu es sûre de savoir où tu vas? La famille m'a porté de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Ouais, enfin, vu la gueule de la bectaille sur la table, je sais pas, t'as plus bouffé de la daube qu'autre chose, quoi. Hypothèse complètement débile, mais est-ce que ça viendrait de la nourriture? Non, je ne pense pas. C'est un Resident Evil, quand même. Il doit y avoir, de toute façon, un problème de génétique, on va sûrement parler de Umbrella ou un truc comme ça. Je me souviens de cette pièce. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Je vous rappelle pour ceux qui... Enfin, non. Du moins pour ceux qui ne savent pas. Elle est plus là. Elle est plus là, elle a disparu. Ah ben oui, si tu parles de la porte, non, il y en a pas, c'est un mur. What? Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire, là? Elle est en train de péter, un câble, là. Oui, donc Umbrella, en fait, c'est une entreprise pharmaceutique, en fait, qui secrètement développait un virus. On doit sortir d'ici. Reste ici, d'accord? Je vais jeter un œil. Et du coup, en fait, ce virus transformait les gens en zombies, en fait. Bon, après, je le fais vraiment dans les grandes lignes, c'est juste pour que vous puissiez savoir, à la base... Ce qu'est vraiment le gros méchant de Resident Evil, quoi, enfin, l'entreprise méchante. Mia. Ok, bon, je viens de sauver, mais d'abord je regarde cette photo. Ah, la grand-mère. Allez, bon, mais c'est, s'il faut, c'est mamie qui t'a...
tonalité, je suppose, ce serait trop beau sinon. Sinon, je colle le 911. Plein annexe. Ah, du coup, la carte. Bon, je sais qu'il y a une salle de bain, du coup. Regardons la salle de bain. Ah, c'était pas l'endroit dans la démo où il fallait mettre une valve? Bon, enfin, pour ceux qui ont fait la démo, vous n'aurez qu'à me le dire dans les commentaires. Je rappelle, je n'ai fait que entrevoir la démo, je n'y ai même pas joué. Bon, c'est fermé. Et ça toque derrière. Bon, ben on va redescendre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Putain, je descends tout lentement. Oh putain. Mia? Oh, ok, la puissance, ça te balance à l'autre bout de la pièce à la Paranormal Activity. Oh là. Putain, elle a un couteau. Oh, putain, ma main! Putain, putain, non, non. Putain, c'est pas que ça me fait peur, mais défends-toi, Ethan, quoi. Ah. Reste calme. Va-t'en ! Laisse-moi tranquille ! J'ai été vilaine. Je mérite ceci. Oh putain ! Qu'est-ce que t'es devenu, Mia ? Utiliser le remède, bon. Oh. Ah oui, au calme, d'accord, vas-y, verse-y de l'alcool carrément sur les plaies. Remarque, tu me diras, pour cautériser, y'a rien de mieux. Enculé, mais qu'est-ce que c'est de ce bordel? Bon, alors, on part sur un trip de gens possédés. Et ça se relève à la exorciste aussi, ouais. Putain, mais elle va me poursuivre pendant tout le jeu ou quoi? Oh putain, elle a repris le couteau. Oh non, 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 mais je vais pas faire ça. Mia, quand même, je suis venu pour elle. Je pensais qu'il allait avoir plus d'allonge avec la hache. Oh, putain. Oh. Je suis désolé. Par contre, les marques, les hit markers là dans le dos, là comme je lui avais mis, on le voit là quand il est tombé. C'est super bien fait, mais bon, on va reprendre ses esprits. Et il y a le téléphone qui sonne. Il n'y avait pas de tonalité avant. Bon, remarque, vous allez me dire, ta gueule, c'est magique quoi. Tu n'aurais pas dû venir ici. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par Zoé. Le grenier. Le grenier. Vas-y. Maintenant. Le grenier, c'était sûrement les escaliers. Ah ben là, la porte au fond est ouverte du coup. Oui, bah, bien entendu, elle a disparu. Ah ben, elle a laissé des marques. Ouais. Du coup, mais attendez. Allez hop. Oui, voilà, maintenant que j'ai le coupe-boulon, je vais pouvoir voir ce qu'il y avait dans le petit placard au tout début. Ah, parce que mon objectif, c'est toujours quand même de trouver ce putain de fusible. Banco gagnant, il est dans le... il est dans l'armoire. S'il te plaît, facilite-moi la tâche, allez. Je me suis toujours trompé jusqu'à maintenant. Yes! Oh, fusible. Non,
Non, oh non, putain. Elle est encore là, cette conne. Bien entendu, elle a disparu. Bon, avant d'aller à l'escalier, ben... On va aller remettre le fusible. Vous pouvez pas me parler, les gens, aidez-moi. Bon, les quatre points sont verts, allons-y. Hein. Ça va aller. Ça va aller, c'est putain, j'aimerais qu'elle reste comme ça, mais là, elle est tellement blessée que... Putain, elle a un couteau, elle a un couteau dans le dos. J'ai vu une ombre derrière ce mec. Oh. Ça fait putain de mal. Oh putain, c'était un tournevis. Ah putain. Bon, remarque, ma main, elle est déjà trouée par un couteau, donc... Qu'est-ce que tu fais? Oh non. 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 Putain, mais dégage de là. Oh, putain, ma main. Eh, mais c'est le début du jeu, calme-toi. Eh, mais je vais pas crever dès le début. Est-ce que ça marche aussi, je le mets? Oh, ça doit faire mal! Ah, remarque, tu me diras, ça a cautérisé, là. Ça pisse à peine. Enfin, je pense pas... Dans la vraie vie, ça se passerait pas comme ça, les gens. Hein. Vous n'allez pas mettre de l'alcool à 90 pour cautériser quand même une amputation, quoi. Bon, eh bien, écoutez, les gens, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, si vous voulez découvrir ce qu'il y a en haut... En plus, il y a le point de sauvegarde à côté, c'est parfait. Si vous voulez découvrir ce qu'il y a en haut de ce grenier... Eh bien, je vous conseille d'acheter le jeu. Franchement, il est assez prenant, vraiment sympa, et je pense qu'il peut bien faire flipper certains d'entre vous. Donc du coup, on va s'arrêter là, les gens. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, tout le monde, et à ciao.